Je me présente, Dr Valérie Guigardet, je suis responsable du centre Vetokinesis, qui est un centre de soins et de formation en physiothérapie. Je vais vous parler de l'attelle cryocompressive PETSNOV, qui est vendue en plusieurs tailles. Dans chaque kit, vous avez un jersey, une tubulure pour gonfler l'attelle, une poche qui doit être mise au congélateur pendant minimum 8 heures avant de l'utiliser, et deux sangles. Cette attelle va avoir les vertus de la cryothérapie, c'est-à-dire anti-inflammatoire, antalgique, anti-œdémateuse et anti-hémorragique, et va donc être utilisée dans pas mal d'indications sur tout ce qui est post-opératoire ou traumatologie. Elle pourra être utilisée sur le post-opératoire de ligament croisé avec un grand intérêt dans les bien 72 heures post-opératoire et parfois être utilisée encore pendant une semaine pour éviter tout ce qui est douleur et inflammation ensuite opératoire. Je vais vous montrer comment utiliser cette attelle qui est vraiment simple à mettre en place. Donc tout d'abord, bien penser à mettre un jersey autour de la patte de façon à ne pas brûler l'animal par le froid. Donc on va introduire le jersey jusqu'au genou. Une fois le jersey introduit, on va placer l'attelle. Alors le trou correspond au placement de la rotule. Une fois mis en place, on va pouvoir mettre les bandes pour maintenir l'attelle. On vérifie bien qu'elle soit placée au niveau de la rotule. On va pouvoir gonfler l'attelle. Donc on met le robinet en position ouverte, bien évidemment. On place la pompe. On gonfle maximum une dizaine de pressions. Ça doit rester confortable pour le chien. Et on va la laisser en place pendant maximum 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on ouvre la tubulure, on dégonfle l'attelle et on l'enlève.